Bonjour à toutes et à tous, c'est Squad 1 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 de mon let's play sur Alien Isolation. Alors, si vous vous souvenez bien, lors de la fin de l'épisode 9, j'ai trouvé ce joli jeu, fort intéressant. Donc je pense qu'il va pouvoir me servir contre l'alien. Après, à le tuer, je ne sais pas, je pense pas, mais plutôt à le faire fuir, comme il disait que les créatures ont peur du feu. Donc on verra bien. On verra bien. Par contre, quand je vois que ça sent une unité, donc je pense que ça doit descendre vite si je tire, enfin si je souffle dedans, on va dire ça comme ça. Donc je pense qu'on va plutôt reprendre le revolver. Ça va être pas mal. Merde. Merde, il y a des humains. Il y a combien? Il y en a qu'un seul? Il y en a qu'un apparemment. Mais il va tout seul quand même. Je m'en fous. Ah non, il y en a deux, je n'ai pas vu. Il y en a deux. Merde. Et... La station ressemble à un cimetière. Hein. Super. Eh ben écoutez, je crois qu'on n'a pas le choix hein, quand on fait de la gâchette. Hein. Ah mais, ah, j'entendais le bruit, il y a le bruit de l'alien. Ah, émetteur de son. Super. Merde. On est dans la merde. Ah mais ce con il a pas vu les humains. Il ne les a pas vus. Ok. Bon, au moins faut vraiment connaître les choses, il les a fait fuir. On lance flamme. On sait jamais. Pas très caché ici hein. J'ai peur. Y'a de quoi. Il vient vers moi. Non c'est bon. Qui c'est qui court comme ça. Ok. Ok, il monte à l'étage. Bonjour. Putain qui est reparti. Allez, mets-toi le cul, j'espère que je vais pouvoir avant me cacher. Allez. Allez. Voilà. On va pouvoir se planquer un peu plus. Il est où? Ok. Ça ressemble à un humain, ça. Putain, je vois rien, je sais même pas si je suis au-dessus d'un... d'un conduit. Bon, finalement, la bombe sonore n'était pas une mauvaise idée, mais c'était pas une super idée non plus. Parce que ça a fait venir la ligne, il a pas bouffé les messieurs. Mais bon, ça va, j'ai eu de la chance. Ok. Bon, moi ce que je me demande c'est... où sont passés les humains? Parce que maintenant je sais pas où ils sont.
Ils peuvent être une menace pour moi. Ok, monsieur. Ah, attendez, on va se garder avant. On sera mieux. Oui. Tac. Alors, le terminal, je pense qu'il parlait de l'ordinateur ici. On va voir ce que ça donne. Alors, problème informatique, blablabla, bla, bla, ok, bla. Commande de la porte. Toc. Ricardo finalise le verrou. Vous devez fermer les portes de sécurité tout autour de l'escalier. Ensuite, les portes de l'entrepôt des provisions, les portes de l'accès à la maintenance et à la réception du centre du serveur. Merde. Faites un compte rendu en même temps que vous progressez. Il y a un androïde. Ça c'est pas cool. Il est parti. Apollo et les Lantins travaillent main dans la main pour assurer la sécurité et la connexion optimale de Sébastopol. Oui, ça c'est sûr. Travaille dans la main, ça c'est clair. Et donc. Bon. Juste à ma gauche, hein. Et j'ai la ligne qui va dire bonjour. On va sortir, on verra bien. Il n'a pas l'air de bouger le robot. Il n'a pas l'air de bouger. Ah ouais. On va passer tranquillement derrière. Sans faire d'histoire. Oui. Tout va bien. Merde. Excusez-moi du gros mot, mais là, ça va pas. Merde, il me suit. Enfin, où faut aller? Attendez. Merde. Par là ? C'est quoi ça ? Ah, ça doit être ça. Accès à la maintenance verrouillée. Ok, parfait. Ça c'est cool. C'est quoi dans cet ordinateur? Store de sécurité, d'accord. Ok, y'a rien du tout. Maintenant faut que j'aille. Accès escalier, machin. Ok. Faut que... Apparemment il y en a plusieurs à ouvrir des trucs comme ça. Ce que je viens de comprendre. Merde. Oh putain. S'il sort là, je suis dans la merde. Porte fermée. Le problème, c'est qu'il y a lui qui est là. Il y a Jean Mouloud. Eh hey. Merde, il y a je pense qu'il arrive. Apollo et les Lantins travaillent. Ok, il va pas remarquer, sinon il aurait déjà gueulé. Et la connexion optimale de Sébastopol. Putain. Mais pourquoi il remonte à chaque fois? Moi je veux que tu redescendes. Il casse pied celui-là. Il faut que je monte, faut pas que je descende. Le problème c'est que là si je balance encore une... Comment s'appelle une... Merde, une bombe sonore, alors là je vais avoir tout le monde sur le cul. Et c'est absolument ce que je vais éviter. Chaque détail a de l'importance. Il va se retourner, il va me repérer.
Non. Et non. Putain, la vache, la chance que j'ai eue. Oh mon dieu, dieu. Ah, il est là-bas le deuxième. D'accord, on sait qui c'est qui l'a tué celui-là. Ça c'est l'alien qui l'a tué, vu la gueule qu'il a. On va éviter les conduits. On va juste faire le boulot. Entrepôt des provisions verrouillées. Super. Ok, moi je me casse. J'aime pas les bruits comme ça. Moi je me fais peur les bruits comme ça, clairement. Ah, il est fermé ? Oh merde. Oh, c'était un bug ? Ah non, il est vraiment fermé. Il n'y a pas besoin de se regarder dans les alentours ? Et non. Flûte. Bonjour. Merde. Prépare le lance-flamme. Merde, il est là. Avec un peu de chance, il me verra pas. Va-t'en ! Merde ! Il est juste là ! Il est juste là ! Et moi j'ai rien pour me cacher ! Il est reparti ! Ou pas. Merde, y'a rien. Non, 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 non. Je suis pas là. C'est pas vrai, je suis pas là. Ce n'est pas vrai. Putain, comment je vais faire pour passer moi? Il est parti. Faut en profiter, faut en profiter, faut en profiter. Là. Seigneur de Jésus-Christ, je prie le Seigneur pour pas qu'il soit là. Oh, putain. Je flippe ma race. Wait, vous me connectez à Ripley? Je vous ai déjà connecté. Bien. Ripley, il y a une commande d'annulation pour initialiser le verrou d'urgence. Elle est sur le terminal, derrière le bureau de la réception. Ok, chef. C'est un camelot rempli. On peut pas crafter des trucs, là? On peut pas crafter des trucs, là? Oh, j'ai peur! Ah si, je sais, j'ai crafté dans le truc pour éviter de me faire bouffer. Voilà. Mais je peux pas crafter là-dedans. Ah. Et dans la mouise. Merde, le v'là, quel con. J'ai réussi à activer le terminal. Bonjour. Bonjour. Je ne plie pas tout ça, moi. Hein. On tente ou on tente pas? On tente.
Allez, allez, maintenant le cul, maintenant le cul, maintenant le cul, maintenant le cul. Y'a rien. Verrouillé. Merde, j'ai pas le code. J'ai pas le code. Oh, à moins que le code soit là-dedans. Que je l'ai vu et que j'ai pas fait gaffe. Code du dossier. 7789. Merci, merci Seigneur. 77 89. Maintenant les fesses, maintenant les fesses. Ok. 77 89. Hughes, ici Ransom. Je viens de recevoir votre requête. Oui, j'ai bien des archives du relais de transmission et j'ai effectué quelques décryptages. Je cherche des rapports d'un équipage qui ont été captés par Sébastopol il y a des lustres. Je sais que vous vous faites du mouron, mais c'est de l'histoire ancienne. J'ai besoin de savoir certains trucs. C'est à propos d'une transmission de données pour la compagnie émise aux abords de Tenus par un vaisseau avant qu'il entame son voyage de retour. Ça casse... Je quoi, j'ai rien compris. Activez la commande d'annulation de Ricardo. Ouais, ok. Pas trois patins, canard. Ceci dit, personne d'autre n'a besoin de savoir, hein. Si vous balancez, attendez-vous à des représailles. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de choses que Marie ignore, pas vrai? Laissez-les faire leur décodage et mettez-moi au courant quand ils auront fini. Ouais, c'est ça. Ça dans le domaine civil. On sort de là, ça sert à rien de rester là. Bon, qu'on se concentre un peu. Oh merde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose. Replay, tout est prêt. Nanana, utilitaire, initialisez le verrou. Voilà. Ricardo, réception du centre du serveur bouclé. Bien joué. Va dans la grappe de serveur. Discretos. Oui, bah ça va verser bon. Allez où la grappe du serveur? Allez où, allez où? Putain, elle est à l'autre bout du continent. Oh, c'est pas vrai. On verra bien ce que ça donne. C'est quoi ça? Ah ouais, je peux me cacher là-dedans. Park. D'accord. Ça, c'est bien pour se planquer là. Le problème c'est que lui il est mort quand même. Mon voisin est pas très bavard. Je suis pas sauvegardé depuis des lustres. Ça va être casse-pied ça. Ça va être casse-pied ce que j'ai... Merde, reprendre... Merde. Merde. Voilà. Je sais très bien que c'est pas là qu'il faut aller. Dis-moi ce que je cherche. C'est un point de sauvegarde. Et ça a l'air d'être un raccourci, ça. Ça se trouve, il y a la mort derrière la porte. D'accord, je vois où on est. Ok. Comment on vient ici? Oh putain! Ma maman! Putain, il m'a fait peur, ce con! Eh, on profite que je sois plus là. Merde. Merde. Planque-toi là-dedans. Planque-toi là-dedans. Planque-toi. Normalement, il y a quelque chose qui va pas tarder à arriver normalement. Sauf s'il n'a pas décidé à venir. Ce qui peut être le cas, bien sûr.
Ils sont deux ? Ouais, il a fallu aller avec quoi. Oui, 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 oui. Allez, va-t'en. Putain, il vient. Non, j'ai dit va-t'en, je me dis viens. Allez, va-t'en. Si l'état de la station vous est désagréable, veuillez nous le faire savoir. Ah oui, il est désagréable, oui. Clairement, il est désagréable, oui. Je te le fais savoir. Qui se barre, parce que s'il fait demi-tour comme la dernière fois, c'est pas la peine. Apollo et les Lambda travaillent main dans la main pour assurer la sécurité et la connexion optimale de Sébastopol. Oh, j'ai bien fait de pas sortir, vous voyez, il est revenu. Il veut pas partir. Tout à l'heure il était parti, là il veut pas partir. Casse-pied. Là. Allez, va-t'en! J'ai pas que ça à faire. Ça y est, cette fois c'est bon. Il y a quoi là-dedans? Oh, du carburant, c'est bien ça. Ça c'est pour le lance-flamme. Le niveau de confinement de danger s'est intensifié depuis aujourd'hui. On va essayer de l'avoir. Enfin, on va essayer de l'avoir. Quand je dis essayer de l'avoir, c'est pas de buter, hein. C'est essayer de faire... Voilà. Partir dans le sens inverse de lui. Eh, j'ai récupéré une carte. Y'a pas des points de sauvegarde? Non, y'en a pas. J'ai prévu une fermeture d'urgence sur le terminal dans la grappe de serveur. Il faut la déclencher de là pour t'en fuir. Non, 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 non. Putain, j'ai trop paniqué. J'ai juste trop paniqué les gens. J'ai tellement paniqué que j'ai fait la roulette dans tous les sens pour chercher de l'enflamme, j'ai pas trouvé. Et par coup de chance, il m'a pas vu. Putain, je... Il m'a fait paniquer cet enfoiré. Il m'a foutu un coup de stress. Mais violent quoi. Point de sauvegarde. Bah écoutez, hein, je pense qu'on va se laisser sur ça. Parce que là, émotion forte juste à la fin, là, ça c'est... Ah vache, j'ai fait... Vous aurez dû voir, j'ai fait la roulette dans tous les sens pour chercher le lance-flamme, mais j'ai pas trouvé, quoi. Et par coup de chance, il est parti et il m'a pas vu, quoi. Donc on va se laisser sur ça, juste regarder. Toc. Et on va se laisser sur ça, on va se dire à la prochaine pour l'épisode 11. Ciao, ciao, bye bye.